n'avais pas fait la pêche, qu'est-ce que t'aurais fait? Si j'aurais pas fait la pêche, eh bien, je sais rien. Bah, j'aurais fait quelque chose, mais... Ouais. Je sais pas, quoi. Peut-être le bâtiment. Mais bon, c'est vrai que la mer, c'est mon métier. Même si des fois on souffre, c'est mon métier. Ouais. C'est un très beau métier. Un métier de liberté alors? Voilà, ouais, de liberté, de plaisir, même si on a des galères. Moi, des fois, on a des mauvais jours, on le filet embrouillé, tout ça. Mais bon, après, à part ça, je sais pas, on est à l'air, on est. C'est un beau métier, hein, je veux dire. Même si il y a les gros bateaux qui nous passent dessus, on a des galères, mais c'est quand même bon, quoi. Je veux dire, on se lève le matin, on est content, c'est tous les jours différent. Ouais. C'est jamais la même chose. C'est ça qui est beau. Un jour ça va mal, le lendemain si ça te va bien, après si ça va pour le moins bien, après ça va aller très très bien. Tous les jours c'est différent, c'est un bon métier pour ça. Voilà. Et puis je sais pas, il faut, quand on aime la mer, c'est bien quoi. Moi j'adore ça, je sais que c'est le plus beau métier du monde. Malgré tous les problèmes qu'il y a, c'est le plus beau métier du monde. Une rascasse blanche, ça? Ouais. C'est le moment où j'ai mis. Hein. Voilà, la salle à manger. Allez, voilà. Hein. Si on avait les autres filets. Ouais, putain de manon. Hein. Oula! Oh putain! Mais là, il n'y a personne dans la barre, c'est pas dangereux? Ben, j'ai le pilote automatique, mais je surveille quand même les bateaux. J'envoie toutes les 20 secondes, un œil. Je ne fais pas comme les plaisanciers, là, ils ont le pilote, ils sont en train de faire autre chose, et puis ils nous passent à côté, ils nous passent sous les signaux, ils nous détruisent tout. Hier soir, en rentrant au port, on a failli se faire couper en deux, alors qu'on avait la priorité, on s'est même fait engueuler par un bateau. Il nous a fait comme ça. Et en plus, hein, je ne veux pas être médisant, mais il était noir en plus, celui qui nous a fait ça. Pas comme vous, hein, vous au moins. Ce matin, vous avez porté bonheur, vous n'êtes pas loin. Les gens, ils sont superstitieux. Un petit peu. Des poissons différents, de qualité différente. Il va y avoir des merlans, normalement. Hein. Ça va changer. Ça va être moins rouge, le poisson. Souvent, dans la saison, une dizaine de signaux, voire plus. On se les fait couper, et les filets... parlons pas quoi, c'est dur vraiment de mélanger plaisance et travail quoi, parce que bon, nous bien souvent on perd les filets, quand on perd les filets, bon ben on n'a personne. Là, l'année dernière, il y a un bateau qui nous a calé l'ancre dans le filet, il rentre au port, même pas, on n'a plus signe de vie, et soi-disant il devait nous indemniser, puis c'est ça quoi, il n'y a pas de suivi, on ne peut pas chaque fois qu'on a un problème, on ne peut pas aller chaque fois faire un rapport de mer, on peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, mais on est vraiment ennuyé par tout ce qui est encre,
En plus, bon, c'est bien signalé parce que si vous voyez, vous allez voir, on a nos signaux. S'ils vont pêcher dans les signaux, ils vont perdre leur hameçon. Vous avez vu ce qu'on a remonté là. C'est ça, on a un gros problème avec, avec les, même les gros bateaux, les gros yachts, tout ça, ils s'en foutent, ils ne regardent pas, ils tirent. C'est le pot de terre contre le pot de fer. On ne peut pas lutter. On est obligé de laisser faire et de travailler. Après on va dire ouais les pêcheurs ils pleurent toujours, mais bon, c'est aberrant.